Sur YouTube, pour deuxième live sur Plectel, Requiem, le deuxième Plectel, le premier étant Innocence, très très bien. Et du coup, deuxième live dessus, j'ai fait un petit résumé que vous voyez pas sur YouTube, du coup je vais vous le lire. Nous sommes en 1349, du côté de Arles. Notre petit frère Hugo la merde est malade, il a la macula. Une maladie qui le tue, mais lui permet de contrôler les rats, mais qui ramène plein de rats, qui tue plein de gens. Nous, sa sœur, allons encore essayer de le soigner. L'ordre de je sais plus quoi nous aide, mais en fait, bof, hein, il nous aide moyen. Du coup, on va essayer de trouver l'île que voit en rêve notre petit frère. Je pense que c'est ça, mais je crois que le jeu va nous faire un autre résumé de toute façon. Et voilà. L'atelier à poids. Confirmé, oui. Continuez. Et je me souviens qu'on devait prendre le bateau. Alors, pas ce bateau-là, hein, parce que bon, bah voilà. Il a pris cher. Hop, ah voilà. Vaudin. Ah oui, c'est machin de l'ordre. C'est le connard de l'ordre. A débuté son étude sur le mal d'Hugo, ce qui déclenche une crise chez le garçon. Amicia et Lucas sont envoyés à la recherche d'herbes apaisantes. Ce faisant, ils ont découvert que les rats avaient déjà envahi certains quartiers et que l'armée du comte avait opéré une purge aveugle sur les habitants pour tenter de contenir l'épidémie. Amicia a dû de nouveau plonger dans une violence excessive qui a mené à leur arrestation. C'est vrai qu'à un moment, Amicia a pété un câble. Elle a pacifié beaucoup de monde. Elle a pacifié à gros coups de cailloux dans les gencives. En attendant de leur exécution, Lucas rappelle Amicia à ses responsabilités et elle se ressaisit. Ils s'échappent de justesse pour ramener les herbes à temps. C'est mieux dit que ce que j'ai fait. Quelle pagaille! Oh, cette odeur! Ah oui, et ça crame. Ça fait tourner la tête. Je n'entends pas de rats ici. Non, mais ils étaient là. Regarde ça. Seigneur, c'est quoi tout ça? Fabrique de poids. Ils doivent l'utiliser pour étancher les cordes des bateaux. Ces mécanismes sont encore intacts. L'odeur est différente ici. De la résine. C'est un bassin de mélange. Le tonneau là-haut, ça doit être le diluant. On devrait avancer. Oh non ! Mon Dieu ! Ils nous poursuivent ! Ok. Bah ça commence bien déjà. Hein. Pas de panique. On a de la résine. Pas de panique à bord. Là-haut, on pourra faire de la poids. Un bassin de poids. Ça pourrait nous permettre d'atteindre cette porte dans le fond. Mais le tonneau est vraiment haut. On doit trouver un moyen de l'atteindre. Voyons voir. Ces cordes font bouger la plateforme. Les ouvriers doivent utiliser cette échelle derrière la grille pour l'atteindre. Il faut trouver un moyen d'y aller. Ah bah allons-y. Hein. Ah, y a un truc génial dans ce deuxième plaque là, j'y irais pas quoi. Bah déjà, j'avais déjà dit qu'en termes de gameplay, le gameplay était beaucoup plus accessible et ergonomique que dans le premier. Donc déjà ça c'était cool. Le fait d'avoir aussi des petits cailloux illimités, ça fait plaisir. Ça rend le jeu plus fluide. Puis c'est plus logique hein, de se dire qu'on peut se balader qu'avec des cailloux. Or que... Mais bon, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas de poche. Hein. Décidément, les vêtements féminins, même déjà à cette époque-là, il n'y avait pas de poche. Quelle idée. Bon, faut que j'aille là-dedans. Ah, je peux pas passer. Hop. Mais je vois pas en quoi ça va nous faire quelque chose de faire de la résine à part un grand feu en plein milieu. Mais si, attends, je peux passer par là, non? Non. Passer par là? Non. Ah, vu. Bien joué. Voilà, si. Fabrique de la poix. Allons-y. C'est très bien la poix. Ça crame. Bon. Est-ce que je m'occupe de la partie réservoir? Tu en penses quoi? Oui, monte par l'échelle. Je me charge de faire bouger la plateforme. J'y vais. Ah bah vas-y. Hein. Vas-y. Hein. Je comprends pas trop ce qu'ils font, hein, mais go. Hein. Attends, déjà, je vais fouiller ça. Bien ça. Soufre. J'ai plus de soufre. Fragment. Ah, ça, c'est bien ça aussi. Y. Je recommence. Oui. Ah. Tourne-la à fond. Je m'en occupe. Faut rester appuyé dessus. Je recommence. Et bien, c'est beaucoup plus guidé. C'est pas un peu pénible. Bah, pour l'instant, ça va. J'ai surtout dans les paramètres, j'ai fait en sorte qu'il y a
Ça aide pas tout de suite. Parce qu'on peut choisir à quel niveau, à quel moment. On va dire, il nous aide. Tiens bon, jusqu'à mon signal. D'accord. Je suis prêt. Eh ben, vas-y. Je lâche. Accroche-toi. Wow. Eh, hein. Au bassin. J'arrive. Comment ça au bassin? Le diluant. Je vois. C'est de l'alcool, bien sûr. Tu es prêt? On va pouvoir faire, on va pouvoir récolter de la poix, nous aussi. Oui. Fabriquons ça de poix. On verse. Tu connais les quantités? Non. J'improvise. S'il te plaît, évite de nous tuer. T'inquiète pas, ça va exploser. Bien. Je pense que tu peux l'enflammer. D'accord. Voyons si cette poix est efficace. Quoi, ton alcool violet là, c'est dégueulasse. Attends, c'est quoi les contrôles? Ah oui. Ignifier à la fronde. Oui, vas-y, on va faire ça. Voilà. Mais ça nous avance pas plus. Première étape prochaine. Oui, mais je suis coincé. Attends, je crois qu'il faisait des expériences avec des ingrédients ici. Oui, ça peut marcher. Je te les envoie. Ces bêtes sont tout prêts. Mais oui, moi tu peux les caresser, hein. Ils ont l'air gentils. Préviens-moi quand tu es prêt à attraper. Oh, vas-y. LB. On va désormais fabriquer de la poix. On est RB pour ouvrir le menu de sélection, ok. Alors la poix, poix à la fronde, non, poix à peau de poix. Mmh, les petits pois. Parfait. Maintenant, lance un pot de poix entre ces deux bassins. Voilà, hein, je présume que... Voyons si cette poix est efficace. Maintenant, faut que je crame, c'est ça? Je pense que c'est ça. Extinguish, non pas extinguish, inifère. Et bah voilà. Ce dernier bassin est déjà rempli de poids. J'arrive. Attends mon ami, j'arrive, hein. C'est juste que je vois qu'il y a un coffre. Je vois qu'il y a un coffre, j'ai besoin de coffre. C'est bien, la poix a l'air plus dégueulasse que les rats. Ça c'est plutôt pas mal, hein, comme perf. Laisse-moi jeter un œil. Ouais, puisque Lucas t'es pas... Ah. Ah pardon Lucas, j'allais me foutre de toi, mais en fait non. Parce que je voulais prendre le coffre là-bas, mais je croyais qu'il y avait un chemin, mais en fait non. Désolé Lucas, j'allais t'insulter. J'allais t'insulter, mais... J'allais t'insulter gratuitement. Pas mon genre. C'est ça que dans le résumé de la dernière partie, j'ai mis Hugo la merde. Ça s'évapore. Vas-y, donne. Merci. En vrai, j'avais déjà ce qu'il fallait. J'avais déjà ce qu'il fallait, c'est juste... comme ça, au moins, j'économise. Bon, extinguish à la fronde. Attends, ignifère, pardon, j'en refais. Attention, les rats. Hop là. Ce radin. Ça brûle pas en permanence, hein. Oh, tu m'as sauvé la mise. La poix t'a sauvé. Ça fait des miracles. En tout cas, merci. Il n'y a pas de quoi. Eh ben de rien, hein. Tiens. Mais moi, il y a un coffre que je vois que je veux. Un petit coffre. Voilà. Tu aurais pu me donner le contenu quand même, hein. En plus, le coffre il brille. Bah oui, ça a l'air bien utile. Il y a des outils. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Outils fragments résine. Et bah voilà. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais sérieux, c'est que pour l'instant, on n'a pas beaucoup joué avec Hugo. Alors moi, ça me dérange pas. Pour l'instant, c'est Lucas qui remplace Hugo. Mais c'est vrai que par rapport au premier où il y avait Hugo tout le temps avec nous. Bon, ça brûle bien, hein.
T'as quand même de la chance d'arriver à chaque fois dans des portes ouvertes. Hein. Notre bateau devrait être droit devant. Ne sois pas trop optimiste. Écoute, Amicia. Pour Hugo, j'étais coincé entre le magistère Vaudin et ta mère et... Et je n'ai aucune excuse. J'ai eu tort. C'est juste que... J'étais pas prête. C'est vrai que Vaudin, il a dit... Je peux pas le perdre. Hugo, c'est foutu. On fera ce qu'il faut. Oui. Hugo, là, il y a le début du générique de fin pour Hugo. Là. Okay, c'est ce qu'il a dit. Hein. globalement, c'est ça. Après, il a une tête de méchant. Hein. Après, bon, ça va rien dire, mais il a été... Jouons méta, il a été car-designé avec une tête de méchant. Alors après, il faut peut-être aller au-delà des apparences, mais... Vaudin... Vaudin, il rentre pas dans la catégorie car design de gentil, quoi. On va dire, il rentre dans la catégorie dur, mais juste. Mais dur. Allez, hop là. Suis-moi. Ah, il faut avancer. Il y avait le début du générique de fin, je dirais ça, mon chou enterrement vago. Hein. Alors, elle n'a pas le moins cette pression, mais je sais plus d'où je la tire. Hein. Elle s'aime bien. Hop. Quelqu'un ? Regarde, au loin, le bateau de Joseph, on se rapproche. Oui, allons-y. Eh ben allons-y, hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas de méchants. C'est bizarre. Il y a des rats. Il y a des corbeaux. Oh, ils sont là. C'est infesté en bas. Attends, regarde. C'est de la résine en bas. Et là, un tonneau de diluant. Ils fabriquaient encore de la poix ici. Utilisons-la pour dégager le chemin jusqu'au bateau. Oui. Fabriquons encore de la poix. Quelle journée. On est à Bordeaux, là. Je crois que... Non, je crois que c'est Marseille. C'est Marseille, oui. Où on va à Marseille, je me souviens plus. Mais il y avait une histoire avec Marseille parce que je me souviens que j'avais critiqué qui disait Marseille et pas Massilia. Mais en vrai, si ça se trouve, ça s'appelait déjà Marseille. Ça s'appelle plus Massilia depuis un moment, c'est possible aussi. Je voulais faire mon puriste historique alors que... Je sais même pas jusqu'à quand on appelait Massilia, Lutèce et tout ça. Hein. Ça va les rats? Non, ils ont l'air d'aller bien. Pop. Alors, voyons à quoi tu sers, toi. Il faut amener ce tonneau ici. Oh, mais là, ça l'emmène dans l'autre sens. Ah, mais oui, parce qu'il y a le bateau. Ah. On a une idée. Avez-vous accès à cette passerelle? Oui, mais je vais avoir besoin de votre aide. Ils ont relevé le pont. Voyez. Ah oui. Attends. Hop, le petit caillou. On va déjà pouvoir choisir ces munitions-là, juste comme ça, pendant qu'on vise. C'est comme pire la pratique. Hein. Apparemment, c'est une ville de provenance fictive. Du coup, c'est pas Bordeaux. Mais en tout cas, ils avaient parlé de Marseille, ça je me souviens. Hop là. Et je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'à la base on était à Arles. Un instant. Vas-y. Toi tu vas finir à manger. Hein. Raisonnable. Il a peur. Alors ça joue pour nous. Voici ton diluant. Merci. Il n'a pas l'air au courant de notre évasion. Oh, il n'a pas encore fait le rapprochement. Ah bah super. Il va toi? Ah non, c'est moi qui vais. C'est moi qui va, et bah go hein. Et on recommence. Ils aiment pas le feu, hein? Non. Ah. Bien. Vous allez allumer ça comment? On a nos méthodes. T'inquiète, on a un briquet. Attendez un peu. On a un briquet, mon ami. Hop. On va essayer de pas tomber. Bon, allez. 100%, j'ai touché le parquet. Bon. Ah non, c'est bon, j'ai pas eu le parquet. C'est déjà ça.
Un allume-feu. Alchimie basique. De l'alchimie ? On n'aime pas trop ça par ici. Ah mais là ça sauve le fiac hein. Ça va vous sauver la peau. Allez, voilà, voilà. Les soldats. Bien. Il nous reste encore deux bassins. Occupons-nous-en alors. Amicia, tu devrais aller sur la passerelle pour t'occuper du diluant. Je m'occupe de la faire bouger avec la manivelle. Eh bah vas-y. Je te dis quand j'ai besoin de toi. Lucas, à toi de jouer. D'accord. Alors, vous allez où comme ça ? On se regarde pas. Ah oui, non, on connaît les confinements. On connaît les confinements. Hey, tu as manqué le bassin. Pas si vite. T'es allé trop loin. Reviens un peu en arrière. Ah oui. Ça ira comme ça. Bien. Mais oui, voilà, on se bloque. Bloqué. Okay. Tout est en place. Allez. Un peu de jus. T'as fait. Bah, de toute façon, c'est pas toi, hein. Toi, tu fais pas d'alchimie, hein, semble-t-il. Notre petit ami qui va bientôt être. Voilà. Qui va être considéré comme traître. Comment ça, hein? Ah oui. Bonjour, Ishval. Le titre du stream. Quoi? Le rat à la motte de Shrek. Non, le rat de motte, pardon, à la Shrek. C'est soit ça, soit encore une énième référence au générique des Rats. Faut choisir. Et bonjour, et bonjour, bien sûr. J'ai pas le choix, hein. Comment on va? Bah ça va plutôt bien, ma foi. Ça va plutôt bien. Et toi donc? Hop là. Allez, mon ami. Je voulais pas mettre Ratak. Ratak. Rak. Pas la ref de Ratak. Tu connais Ratatak? La Pokémon? On y est presque. Remplissez juste ce dernier bassin. Hop là. Moi ça va, j'ai appris hier qu'il y a la superviseuse qui ne voulait pas de moi dans l'équipe. Ah! Mais de ce que j'ai compris, il n'y a personne qui veut la superviseuse dans l'équipe. Ah, c'est ce que j'ai écrit? Ah oui, Ratatak, oui, pardon. Ratatak. j'ai juste loupé une syllabe Ratak. Je disais Ratak. Mais Ratatak, ouais, j'aurais pu. On connaît plus Ratata que Ratatak. Après, ça aurait marché quand même. Dommage pour elle, la directrice L'Oréal et le chef de prod m'ont défendu. Et du coup, c'est elle qui a la place menacée, du coup. Mais oui, hein, comme on dit... Comment on dit, vous savez comment on dit orge en sumérien? Che. Pas mal, ça va être chouette. Hein. On va avoir une petite ambiance là. Lucas, tu peux avancer. La voie est libre. Oh, tu peux avancer moyen, il y a quand même des rats là. Hein. Ben oui, hein. Mais prends un morceau de bois. Oui, jeter de la poix directement dans le feu. Ça va amplifier les flammes pour un temps. C'est... Eh bien, oui, ça peut marcher. Bien, tentons le coup. Lancer de la poix. Lancer une source de feu pour l'amplifier. J'ai de la poix. Ah bon, on est parti. Hein. Fais confiance, hein, soldat. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah, la flashball. Il est bon. On a vu les jarres. Elles vous servent à quoi? À feur. Confidentiel. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça hein. Très bien. Tu y es presque. J'ai une idée. Mais je vais me faire interner un jour. Hein. En ayant des idées comme ça. Genre, si je mets de la poix sur un soldat et qu'ensuite je mets de l'inifère. Ça fait ça, mais sur le soldat. Et du coup, ça fait un jambon à étouffer, quoi. Ou un peu au poulet braisé plutôt, ça marche mieux. Ah oui, vu que c'est un flic, ça fera un poulet braisé. Putain, mais
bien évidemment. Oui, pardon, oui, vas-y, mon ami. Et merci pour tes 55 streams consécutifs, Fishval. Incroyable. Beaucoup, hein. Ah, pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Combien ? Ah, oui, oui, sinon, oui, il pouvait juste passer comme ça. Bravo. Et oui. Par contre, on va te laisser là, mon ami. Hein. Combien ? Ah, j'avoue, 55, ça fait beaucoup, hein. Tu ranges ton arme, hein. Sinon, sinon la poix, elle finit sur toi, hein. On va enfin le voir de plus près. Restons prudents. Bah oui, hein. Qu'il aurait fait si on l'avait croisé en vie. Oui, quel qu'il soit. Bah oui, hein. Mais merci. On l'a fait. Une chance que vous ayez décidé d'emprunter la loi ce soir. On devrait y aller, non? Oui, on est pressé. Bien, je vais vous escorter jusque chez vous. Non. En fait, nous devons continuer par là. Oh, fais-nous une fleur. Laissez-nous partir. On a fait notre part. La loi, c'est la loi. Bon. Laissez-nous passer. Vous allez le regretter. Tu menaces un soldat de l'armée de Provence? Exactement. C'est bien trop important. Attendez. Dans les faubourgs, nos hommes ont été attaqués par une fille et un garçon. C'est ouais. Vous. Vous vous êtes évadé. Question. Tu peux l'aveugler avec la poix. Ben voilà, hein. Ça, mon ami? Après, moi, ouais. Attends, ah oui. Moi, j'aurais plutôt mis de la poix sur lui directement. Plus jamais je ne croirai aucun d'eux. Oui. Bah, c'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit, hein, à 13h12, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Tout, tout, tout. Voyons ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut craft, mon ami? Onde. Amicia fait moins de bruit. Alors, est-ce que c'est vraiment utile de faire moins de bruit quand on fait du face-à-face? Je ne le crois pas. C'est quoi ça? Alchimie. Peut porter une munition alchimique supplémentaire. Ouais. Sinon, ça fait quoi après? Amicia améliore les munitions alchimiques qui lui permettent de tuer ses ennemis en lançant une jarre associée à un nénuphar. Tuer les gens? Dans le feu? Dans le feu purificateur? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Double poche. Nanana, mais peut tirer une deuxième fois avant la recharger. Ouais, ouais. Attirail, nouvelle ressource. Nanana. Bon, vas-y, on va faire. On va essayer de cramer des gens. C'est bien mieux. Dans le jeu. Hein. Ça, dans la vraie vie. Hein. Pas bien. Voyons un peu ce bateau. C'est une affaire de santé publique. Tu aurais dû partir quand tu le pouvais, Joseph. Je dois attendre un client et j'honore toujours mes contrats, mon ami. Estime que ton contrat est annulé alors. Le port est condamné et tu es un intrus. C'est notre homme. Oui, mais les ennuis arrivent. Ne restons pas là. D'accord, tu sais quoi? J'ai pas que ça à faire. Non, tu en sais beaucoup trop. Je dois t'arrêter. Oh, sans blague. Oh, tiens. Oh, le coup de boule. Oh, il nous a fait une Zidane. Bah oui, mais attends-nous. On est coincé ici et nous avons un enfant avec nous. D'accord, d'accord. On se retrouve au prochain ponton. Oh. Qui êtes-vous? Où est le capitaine? Il boit la tasse. Venez, vite. Oui, allez. C'est passé près. Oui. Oula. On va devoir courir. Bon sang. C'était quoi ça? Joseph a cassé une jarre de bois. Ça a réagi au contact de la torche. C'est le moyen le plus rapide. Lucas, ça devient trop dangereux.
Non. Oui, ouais, hop là. Alors, si ça avec une flaque de poids, puis enflammez-la pour l'éliminer, combiner la peau avec un pouf cassé pour piéger les ennemis. Attends, cache-toi. Je suis pas caché. Ah. Attends, ça c'était... Attends, hop. Apparemment, ça fait très mal, hein. On se doute bien, bien sûr, mais apparemment, c'est une des pires douleurs. De se faire cramer. Voilà, ça c'est. Voilà, c'est si vous voulez, hein. Fun fact. Quoi, la fronde, ouais. Et là, on peut passer, c'est ça? Ah non, on peut pas passer en fait. Je pensais. Je pensais, mais j'ai mal pensé. Bon alors. Attends, déjà on pré-shot. Non, extinguish, on s'en fout. Quoi? Et vas-y, on refait ça. Ok. Hop, comment? Comme ça. Mais non, regarde, hop. Eh ouais. C'était quoi ça? Joseph a cassé une jarre de bois. Ça a réagi au contact de la torche. C'est le moyen le plus rapide. Lucas, ça devient trop dangereux. Oh. On va se faire tuer. Oh, mais il y a des trucs ici. Il faut que j'utilise de nouveau ma fronde. Oui. Fais ce qu'il faut. Elle a besoin de ce bateau à tout prix. Bien. Ouais, donne-moi le stuff. Quoi, c'est de la poix ça? Non, c'est de l'eau. Ça brûle beaucoup moins bien l'eau quand même. Hein. Hop! Attention, excusez-moi les rats. Ah oui, te brûle pas, hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal, comme on l'a vu sur l'autre là, notre petit pote. Inutile de chercher ici. Attends, si je fais un instinct wish là, ça marche bien aussi. Bah oui, ça marche très bien. Oh non. Ah, j'ai oublié ça. Attends. Ah. Merci Joseph. Ah mais oui, mais j'ai oublié les rats. C'est vrai que j'ai oublié que dans The Plague Tale, il y avait des rats. Attends, non, retour. Charger le dernier point de passage. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai voulu improviser un chemin. Oui, c'est parce qu'il se déplace quand même, hein. J'étais pas sûr, je pensais qu'il se déplaçait en même temps que nous. Mais à la fois, j'ai pas trop l'impression en même temps. Hop là. Je suis pas là. On est repéré. Ok. Ça va, bro? Mais non, on n'est pas repéré, regarde. Il y a Joseph là qui va arriver. Attends, on va se cacher sous la torche. Ce qui me paraît être une bonne idée. Attends, hop. C'est gigantesque. Ça sent la bois. C'est donc pour ça qu'ils en avaient besoin. Quel carapeur du noir, on dirait. Je suis pas là, hein. Ah non. Ah oui, non, là. Attends, il crame qui, là? Crame quoi, plutôt? Ce n'est pas du bois qui brûle. Et oui, hein, c'est une viande qu'on ne connaît pas, ça, hein. C'est une tactique de guerre.
C'est pas très nice, oui, en tout cas. Bon, ça va être compliqué à éteindre ce feu. Hein. Quand t'avais été là, il aurait pris les bonnes décisions. On aurait pu lui demander une audience. Et quoi? Je suis pas là. Ah. Avec moi. Ah non. Ah bah oui, dead. Hein. Dead. Je le sentais venir. Comment ils m'ont repéré? C'est pas bien caché dans le blé? Ah oui, je recommence ici, d'accord, ok. Hop là, merci. Allez, s'il te plaît. Merci. On avait réussi à passer. Maintenant, non, oula, on réussit plus. Attends. Et bonjour Norfur, comment vas-tu? Bonjour Monsieur Scous, comment on va? Bah moi ça va très très bien. Et toi donc? Comment que ça va? Nous sommes sortis du port. Que font-ils bien ici? Donc ça va, nous sommes sur le traître IA. Hé, je suis pas là. Aïe, je suis pas là, je suis caché. Je suis la nuit. Oui, il est gigantesque. Ça sent la poix. On va mourir hein. Poser mon petit larf pendant le travail. Ah, bah bonne lurk à toi, merci. Et bon courage pour le travail. Caché, je suis pas là. Bon bah vas-y. Hein. Bonjour Goodflouf, bien le bonjour. Comment ça va? Ah si. Bon, passer en bruit de force dans un moment de... Comment dire? D'infiltration, ça marche moyen. Et l'autre là, Joseph, qui est censé nous épauler là, il nous épaule moyen. Ça va bien, les vacances. Oh, les vacances, incroyable. Oh, trop bien. Bravo. Profite. Ah, bouge pas, mon ami. Je suis pas là. Je suis caché derrière le feu, on me voit pas. Je suis la nuit. Non, je suis pas là, regarde. Hop là, je suis pas là. Nous sommes sortis du port. Hé! Que font ces soldats ici? Voilà, oui, hein. Bon, vas-y, recommence. Hein. Pourquoi j'arrive pas? Je suis mauvais? Possible. Mais c'est vexant quand même. Attends, hop. Vas-y, on va y aller comme ça, hein. J'ai l'impression qu'on est plus discret si on fait ça. Ouais, hein. Alors, vas-y, attends. Bouge pas, mon ami. Ah, un peu trop loin. Bonne distance. Alors, attends, on a dit pour vous cramer... Faire comme ça, faut faire un pot de poids. Allez, viens, vas-y. Vas-y, mon ami. Ça marche bien. Run pacifiste, du coup, comme vous le voyez, on a techniquement, on a tué personne, hein. On les a cuits. Pas pareil. Nous sommes sortis du port. Que font ces soldats ici? Il veille à ce que personne ne s'échappe. C'est un passé. Je joue sur les mots, ça. Ben. Non, j'aurais joué sur un mot, j'aurais dit c'est pas moi qui les ai tués.
C'est le feu que j'ai allumé qui les a tués. Du coup, c'est la faute, c'est la faute au feu. Si, ça. Bon, par contre, j'ai plus beaucoup de poids. Hein. Il est où, Joseph ? Oui, il est gigantesque. Ça sent la bois. C'est donc pour ça qu'ils en avaient besoin. Quelqu'un a peur du noir, on dirait. Oui. Alors. À part les cramer, comment je fais pour passer ? Ah, il est là, Joseph. Joseph ? Un petit coup de lance. Bon, apparemment, les cris de personnes se faisant cramer n'ont pas trop alerté les collègues. Putain, là, ça va être froid. C'est que ça va être habituel. Ce feu, ce n'est pas du bois qui brûle. Et non. C'est des cadavres. Et oui. Ah, il y en a quand même qui réfléchissent. C'est un massacre. Potentiellement. On peut pas risquer de laisser quelqu'un sortir. Tu le sais. On va passer. Oui, piéger les gens à l'intérieur, puis s'en débarrasser. C'est une tactique de guerre. Hey. Je cachais, hein. Personne n'attend l'Inquisition. Ah, je me souviens plus du même, c'est quoi avec l'Inquisition ? C'est ça ? Si seulement le comte avait été là, il aurait pris les bonnes décisions. On aurait pu lui demander une audience. Et le comte de Provence ? On lui aurait dit qu'on amenait les rats et la mort dans sa ville. Il n'y a aucune issue, il n'y en a jamais eu. C'est trop tard de toute façon. L'épicentre est ici. Et ça va se répandre. Épicentre. À moi. Je suis la nuit. Je suis... Ne bougez pas de là, vous entendez ? Sleepman. Pardon. Obscur ref. Attends, il y a un petit coffre ici. Moi, j'aime bien le coffre. Mais le problème, c'est que ça va alerter du monde, quoi. Attends, si je l'envoie aller chercher un... Voilà. On espère, hein. Et bonjour, rouge verte. Ou les bébous. Peux-tu me gnorrer ? Ça ne durera pas longtemps sans poids. C'est vrai. Et il reste encore beaucoup de corps à brûler. Comment ça va ? Exactement. C'est un vrai festin par ici. Et quand ils nous chargeront, on n'aura que nos torches. Attends, parce qu'il y a un petit pote là au-dessus. J'espère que nos gars vont vite apporter ces gens. Il y a lui là qui est en train de faire des allers-retours. Ça rate ce bien, bah ça rate ce bien. Hein. Là, c'est pas des rats qui sont en train de cramer. C'est des humains. Mais justement, on a maintenant le pouvoir de cramer de cramer les gens, dirons-nous. On a découvert la poix. Et comment on craft la poix ? Un massacre du monde. Oh non, ça pacifie. Après, je peux passer, hein. Lui, il faut juste qu'il se rebarre, là. Bonjour, DS, tu m'as verré comme les couleurs de l'automne. OMG. Je suis pas là, il me voit pas. Non, tu m'as pas vu, mon ami. Attends, il me voit, il m'a vu. Il arrive ou pas? Il est où? Il a vu mon fiac.
pas où je vais, je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Je suis pas là. Je suis pas là. Non, c'est faux. Bon, bah tant pis, hein. Ah. Bon bah c'est foutu, hein. Attends, je cours. Vous voyez pas, je suis pas là. Je suis caché. Boum. Ah, je suis pas caché. Je suis pas là. J'étais mal caché. Comment sous? Ok. C'est bon. Bougez pas de là, vous entendez? C'est pas moi. J'ai un alibi, j'étais au cinéma. Oh, on peut pas passer par là. Bon, et en passant par le 2. On va attendre. Non, c'était rien. Sans doute le vent. Où est-ce qu'il est en train de cramer? Il arrive pas à avoir les 60 FPS constants. My bad, hein. Normalement, c'est bon, ça descend pas en dessous de 30 FPS. Mais bon, ça reste chiant quand même, hein. Vas-y. On va passer par le dessus, hein. Et qu'en passant par le dessous, ça marche moyen. Ça marchait. Qu'ils ont commencé la purge par les bas quartiers. La maison est dans la ville haute. Il reste du temps. J'espère que tu as raison. Oui, il a raison. Il a toujours raison. Ok. Je suis pas là. Regarde, je suis caché. Mais non. Mais non, je vais t'envoyer un caillou dans la tête, mon ami. Prends du café. Non, mais on a la strat. Ah, mais on a avancé, c'est bon. En même temps, en termes d'accessibilité, c'est sympa. Ils ont mis de la peinture blanche sur les trucs. Utilisables. Mais les costumes là, ils auraient pu les faire plus voyants, puisque j'avoue que ne rayer noir, j'avoue, on voit pas des masses. Même s'ils ont des petits costumes d'abeilles. La strat. Hop là. Alors. On est caché. Oh, le petit détail, bravo, petit détail. De mettre la main qui est sur le mur. Il va se retourner, il va me voir. Il m'a pas vu. Attends, vas-y, on va se la jouer vraiment RP. On va essayer de voir derrière. Voilà. En regardant à travers les lamelles. J'ai tellement peur de voir Mère et Hugo parmi eux. Je crois qu'ils ont commencé la purge par les bas quartiers. La maison est dans la ville haute. Et toi? Il reste du temps. Il est là, il est juste à côté. Tais-toi. Chut. Ma tête. Avec tous ces rats, c'était pas normal. C'est un gêné, lui. Hein. Voir des montagnes de rats, en effet, c'est peut-être pas normal. On est caché? Ah, si, on est caché. Hein. Attends, il est caché derrière lui? Le truc, c'est qu'il me propose un petit tonneau de poids très sympathique.
Et du coup, pourra le brûler, le petit pote. Mais le problème, c'est que je risque de pas être très, très, très discret. Sachant que la discrétion, c'est mon point fort. Ah, je suis pas là. Qu'est-ce que tu fais? La ville va sombrer dans le chaos. Mais tais-toi! Les habitants ne vont pas se laisser faire. Ils vont se défendre. Ça ne devrait plus tarder, j'espère. Révolution. Joseph sait se battre. C'est un bon point. Oui, il sait se battre, il sait utiliser l'arbalète. Ça va pas être discret si on fait ça. Mais vas-y, hein, c'est toi qui propose, hein. Ah si, c'est discret en fait, j'ai rien dit. Je croyais qu'on allait. Ah, j'ai plus de peau. Pourquoi j'ai plus de peau? Oh. Ah merde. Du coup, je peux plus cramer. Je peux plus les cramer. Embêtant ça. Bon. Viens de tuer un de leurs potes. Ça a pas l'air de gêner plus que ça. Ah si, quand même, si. Ah. Bon, on va devoir bouger son fiac, hein. Je suis pas là. Je sais où vous êtes maintenant. Non, non, regarde, je suis pas là. Mais non. Bon, ouais, ancienne, hein. Mais non! Regarde, on est pas là, On est caché. Allez, dodo. Fais dodo. Mais non, regarde, hop. T'es où? Y'a là. Ok. Et non, hop là, tu m'auras pas. Ah, mais non, c'est pas ce que je voulais faire, mon ami. Arrête. Bon, on y va à l'ancienne, hein. Ah. J'ai pas eu le temps d'y aller à l'ancienne, du coup. Je vais y aller au couteau. Oh, on recommence là. Bon, c'était pas la bonne strat. Je savais bien que cramer quelqu'un, ça allait être moyen discret. Je me doutais bien. Mais le jeu était tentant, quoi. Il mettait vraiment un gros tonneau, un gros vase de poids là, sous un mec avec une torche. Bon bah voilà, fallait tester. Suis la nuit. Ça. Ça nuit pas beaucoup. Ok. Vas-y. Prends ton temps. Ok. Et là, je me cache ici. Et là, on est pas mal. Hop là. Alors, bon. Sans cramer notre pote. J'ai tellement peur de voir Mère et Hugo parmi eux. Je crois qu'ils ont commencé. Faut qu'on réussisse à passer. Les bagardiers. La maison est dans la ville haute. Il reste du temps. J'espère que tu as raison. On le saura à force. Buvez de l'eau en attendant, hein. Ou un petit café. Et on est parti. Attends, y'a quelqu'un. Il nous voit pas. Merci pour tout à l'heure, que Studio Dodu. Et bonjour à toi. Ok. Je suis caché, on me voit pas. La ville va sombrer dans le chaos. Les habitants. C'est moi, il m'a pas vu. Ils vont se défendre. Mais tais-toi. Joseph sait se battre. C'est un bon point. Je suis pas là.
Non, non, je suis pas là. Bon. C'est bon, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Je savais bien que c'était pas une bonne idée de cramer des gens. Hein. Bon, j'attends, oui, elle est très très bien ton emote. Elle est très très bien. Bon. Un sandwich. Ça me rappelle ces vidéos de... ces petits trailers de Team Fortress 2 qui s'appelait Meet the, on va dire, ou à la rencontre 2, qui faisait rencontre des persos, des différents persos jouables. Et à un moment, il y avait même un perso qui n'était pas jouable, qui s'appelait le Sandwich, avec un V, pas un W. Donc c'était Meet the Sandwich. Une petite pépite de sound design, hein. Attention. Hein. Je vous conseille, hein, de toute façon, les Meet the, ou les, à la rencontre 2. Même une des alertes follow vient de là. Deux des alertes follow viennent de là. Il y en a une qui vient de Michael dans The Good Place, et une autre, et les deux autres. Il y a un rire qui vient à la rencontre du soldier. Cette puanteur, la poêle a couvré, mais... non, je la sens. Et l'autre, à la rencontre du sniper. Il faut qu'on aille là-bas. On prend son temps, on n'est pas pressé. Ouais, faut aller par là. Oui, ça va, j'espère que tout aussi trop bien. Je retourne dans l'heure que j'ai du boulot. Et ouh, bon courage pour le taf. Bon courage pour le taf. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de louper un passage du coup. On n'a pas d'argent. Joseph, le ponton est forcément derrière cette porte. S'il y est déjà amarré, il a peut-être des problèmes. Il faut se dépêcher. Allez, c'est bon. On a réussi. Et on a tué personne. Oh, capacité de prudence débloquée. Pied léger. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Amicia marche plus sérieusement et attire donc moins l'attention des ennemis alentours. C'est vrai que ça, c'est comment notre façon de jouer influe sur nos points de compétence. C'est bien ça. En vrai, ça, c'est très bien. Du coup, on a été plus prudent que agressif. Et plus agressif qu'opportuniste. Et pourtant, je pensais pas. Hein. Je pensais que c'était plus l'inverse. Hein. Quoi, le deuxième point ? Agilité. Amicia améliore son équilibre pour se placer plus vite accroupi. Posture le lanceur. Amicia adopte une meilleure posture qui permet de lancer les objets plus loin. Ok. Perceur d'armure. Identifiant leurs points faibles. Amicia peut poigner les ennemis en armure. Dans le dos. Avec un couteau. Ah, mais moi j'aimerais les tuer sans couteau parce que les couteaux sont à usage unique. Je sais pas pourquoi mais. Conscient de son environnement, Amicia peut pousser les ennemis dans du feu ou des raves dans ses attaques de mêlée, les tuant instantanément. Est-ce que c'est discret ça? Est-ce que ça reste une attaque discrète? Ici, j'ai plus rien. Bon, Joseph. Bordel, j'ai cru que vous ne viendriez jamais. Venez. Oui, on arrive, Joseph. Attends, juste avant, Joseph. Ah. Merci de nous avoir attendus. Et pour le coup de main. Vous aussi, vous m'avez aidé. Bon, où est le reste du groupe? En ville, ils préparent le voyage. Je dois... Hugo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais les chercher. Retrouvez-nous, ok? Près de la maison. Sois prudente. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cru que l'enceinte de la ville était remplie de rats et que ça allait faire péter la muraille. Oula, c'était un peu abusé quand même. On va avoir un mégazord de rats. Oula. La musique qui donne confiance, hein. Vous pensez que c'était quoi? C'est Fur. Ça m'a réveillé. Là, la maison! C'est mauvais signe, je vous le dis. Respectez le couvre-feu, rentrez chez vous. Que se passe-t-il? On doit savoir. Dites la vérité. Bah oui, toi aussi, Amicia, cours, hein. RT pour sprinter, vas-y. Si. Cure les rats. Bouge ton fiac. Laisse-moi la place.
Ok. Hey. Bah, je crois que Hugo, voilà. Ok. Seigneur, je le savais, je leur avais dit que ça arriverait. C'est à cause de ce maudit Vaudin. Qu'est-ce qu'il fait, Vaudin? Il veut. Bon, il a pas l'air gentil, c'est vrai, mais. Oh, la nouvelle voiture. Prends la voiture. Il y a des pommes. Il y a quoi d'autre? Des pommes, du chou. Ouais, prends les pommes, hein, le chou. Le chou, ça donne des grazes. Ici, hein. Bah go, 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 hein. Hé, la caméra. Il est où le caméraman? Il est en vacances, là? Bah oui, mais le caméraman... le caméraman, il est parti prendre un café en plein milieu. Hé. Hé, hey, c'est où? Bah oui, mais je peux attends. Si ça se trouve, je peux contrôler la caméra en fait. Ah, regarde. Non. Ah, je peux contrôler la caméra. Ah. Tout à l'heure, il y avait la caméra automatique. Du coup, je sais pas. Hein. Oui, oui. Ah bah là c'est foutu, ma ouh là 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 là. Tourne la caméra. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit à la caméra, bon. Ah mais c'est des rats ou c'est des fourmis? Oh. Je crois qu'elle va pas être intacte très, très très longtemps. Hein. Mais cette inondation là. Vas-y, hein, tant qu'à faire, hein. Là, c'est très stylé, hein, cette séquence. Hé hey. C'est où? C'est là. Contrairement à ta chaîne YouTube, tu n'es pas tout seul, Hugo. Ah! Ah, dead? T'es pas tout seul. Non. Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de tuer le monde entier. Mais t'inquiète. Avant que toute la maison ne s'effondre. Oui, Lucas doit nous attendre sur le quai. Venez. Il est pas tout seul, mais décrypte. Décrépite. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a Hugo décrypte. Non, j'oublie. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment bloqué dans l'ancien YouTube, parce que pour moi, je me souviens plus facilement d'Hugo tout seul que Hugo décrypte. Ah, j'avoue que je regarde pas du tout Hugo Decrypt, j'avoue. Amicia, je devrais le porter. Non. Je m'en charge. La ville, elle a disparu. Toute la ville. Nous devons partir. Moi, je suis la génération Hugo Délire. Ah oui, d'accord, oui, on en est là. C'est sans précédent. Ah, c'est... Chaque génération a son Hugo, hein, j'ai l'impression, en fait, c'est ça, hein. Mais non, t'inquiète, t'as juste le plan de Châtelet-Léal écrit sur le torse, mais t'inquiète. Regardez, Hugo décrypte pendant le Covid, je peux plus maintenant. Ah, je sais pas c'est quoi la qualité de son contenu, hein, du coup, je sais pas si c'est ça que t'insinuais.
Mais j'avoue. J'avoue que des fast news comme ça, je suis pas trop client du truc. Je vais dire juste des titres. Tous ces gens. Good Elder 92. Ah oui. Continuez. Avec Karen Sherrill. Hein. Qui sait ? Essaye de dormir, Hugo. Fais-le pour Hugo Métro. Non. Je. Ne regarde pas. Garde les yeux fermés. Amicia, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est. Les rats. Il était pas fou plus ce contexte. Ouais. Non. Il est pas moins bien informé que CNews. Ah, CNews, ouais, c'est quelque chose, hein. Pardonne-moi. C'est comme dans mon cauchemar. C'est ma faute. Calme-toi, Hugo. Mais non, oh. Ce n'est qu'un rêve. Il est chiant, Hugo, hein. Je te donnerai quelque chose sur le bateau. Ça te calmera. Y a des pommes. Je veux que ça s'arrête pour de bon. Je suis désolée. Je veux que ça s'arrête, Amicia. Bientôt, à Marseille, nous trouverons de l'aide. C'est pas vrai. Tu dis toujours ça, mais tu mens. Mais si, Marseille, c'est génial. Hugo, je suis jamais allé, mais apparemment, c'est fantastique, hein. Tu as le droit d'être. Bon, ça dépend. Enfin, si on prend les news d'après, c'est news et c'est. Marseille, c'est horrible. Mais si on prend comme source le reste du monde, c'est plutôt bien. C'est génial. Vous allez bien ? Avec le téléphone, ouais. Je vois. J'ai pas de Hugo, moi j'ai peut-être pas assez de temps sur Internet. Bah, forcément Internet, hein. Hugo délire, c'était pas sur Internet. Hein. Bon, ça met cette vibe-là. Il n'y a que nous. Magistère Vaudin. Je vois. Dans ce cas, traînons pas. Je suis en train de regarder Shameless en ce moment. Et j'ai l'impression que là, comment il s'appelle, Joseph, il a la voix, c'est le même doubleur. C'est le même doubleur qui double Joseph et qui double le père dans Shameless. J'ai l'impression. Avec la voix un peu moins bourrée, hein, là évidemment, mais... Voilà. Il y a beaucoup de problèmes à Marseille, mais comme dans toutes les grandes villes, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Évidemment que dans les grandes villes, voilà, c'est... Plus il y a de monde, plus il y a de chances qu'il y ait des cons, quoi. C'est normal, c'est mathématique. Dans notre sillage... Je trouve bizarre ce mot sillage. Je trouve pas facile à dire. On avait dire sillage. Bonjour, Yas la menace. D'ailleurs, j'ai regardé Culte sur Prime, c'est une fiction sur les coulisses de Love Story. On en a parlé avec une pote, ils ont vraiment casté la meilleure Lana possible. Oh, j'ai pas vu. Comment tu trouves ça, Shameless ? J'en suis à la saison 4. Ça fait 2 semaines que je me suis mis. Que ça répond à la question. Très très bien. Il paraît qu'il s'est passé la même chose en Guyenne. C'est très très bien, mais c'est très, comment dire ? La morsure qui empoisonne le sang. Ça semblait pourtant si loin. Une série avec une bonne fin, je trouve. Je sais pas encore. Je suis qu'à la saison 4. Hein. Il y a 11 saisons. Vraiment, je me pose la question comment ils vont faire 11 saisons vu le contexte où ils en sont à la saison 4. Oh, viens. Hey, tu faisais un rêve. Mais très très bien, je conseille un Shameless. Hein. On est arrivé ? Non, mais c'est plus. Mais en termes de sexualité à l'écran, ça fait concurrence à The Boys. Hein. C'est vrai que pas mal. Pourquoi ? Ça les fera pas partir. Ça changera rien. Hugo, non. Tu étais en pleine crise. Je veux pas aller à Marseille. D'autres gens vont mourir, tu le sais. Mère, pense que tu... Non ! Sur l'île. C'est là que je dois aller. Là-bas, on pourra me soigner, Amicia. On va la trouver, s'il te plaît. Personne m'écoute. J'ai dit à maman que j'avais mal. Mais le magistère m'a dit de me taire. Que ça faisait partie de l'examen. Maman et le magistère, ils croient tout savoir, mais ils ont tort. Et les gens meurent à cause de moi. Hé. Je sais. Je ferai ce qui est le mieux pour toi. C'est promis. Voilà, tais-toi. J'adorais Culte et oui de l'actrice qui fait Loana et celle qui fait Alexia Laroche. Machin, sont incroyable. J'ai pas vu. Mais j'avoue que ça m'intéresse pas plus que ça, mais après, c'est... Ça... Va voir le capitaine avec Hugo. C'est genre un making-of fictionnel, c'est ça ? Il va te montrer comment tenir la barre.
Ils en sont pas tout parfaits, mais au moins ils ont pas fait une fin à la Oh, I meet your mother. Jamais vu. Et peut-être qu'il nous laissera naviguer. Mais pour l'instant, oui, c'est très, très bien. Même les fins de saison sont très très bien pour l'instant. Et il y a Son Goku. Dans les trois premières saisons, il y a Son Goku. Horrible. Pour le mettre en lieu sûr, Amicia. Vous voulez l'enfermer à nouveau. Oui, parce que oui, il y a l'acteur qui jouait Son Goku dans le film Dragon Ball Evolution. L'ordre a des hommes et du matériel. Ils sauront comment l'aider. Tout ça est arrivé à cause de ce que vous et Vaudin avez fait à Hugo. Mère, si vous continuez de l'isoler et de lui infliger ces tortures, ça va le tuer. C'est un enfant, c'est une victime comme toutes les autres. C'est mon enfant. Et alors ? Je ne suis pas ton ennemi, Amicia. Je sais à quel point tu aimes Hugo et je sais que je ne peux pas vraiment comprendre le lien qui vous unit tous les deux. Mais tu dois ouvrir les yeux. Ce qui est arrivé là-bas se reproduira. C'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre. Dans les débris ! Bagarre. Je vais jeter un œil. Celle qui fait Bulma aussi. Ah ouais. Après, j'avoue, étonnamment, j'ai pas beaucoup plus retenu que ça le film Dragon Ball Evolution. Déjà parce que je l'ai pas vu. On va le régler tous les deux. D'accord, gamin. Je vous laisse vous en charger. Hé, tu peux retourner à l'intérieur si tu veux. Non, tout va bien. Je ne te laisserai pas tomber, je te l'ai dit. Pour l'instant, on doit faire avancer ce bateau. Et c'est loin d'être fait. Oui, vas-y. Merci. Il a fait une connerie, il a une tête à vouloir faire une connerie. La saison Oyamid, c'est vraiment l'illustration parfaite de la saison 3. Bah, c'est pour ça qu'en général, quand il y a beaucoup de saisons, ça fait toujours un peu peur. Hein. Tu sens que des fois, ils ont la bonne idée, ils veulent l'utiliser à fond. Du coup, des fois, ça fait des résultats pas top. Ouais, on a pas trop suivi le scénar, hein, mais en gros, bon, Hugo, il a sa vie. Et enfin, il a son opinion et tout le monde s'en fout de son opinion. Et j'avoue que, étonnamment, je suis de côté d'Hugo. Et bonjour, Scrooge. Bien bonjour. Comment que ça va? Et ouais, du coup, je suis du côté d'Hugo, que Hugo, là, on s'en fout un peu de lui, sous prétexte que c'est un gosse. Son opinion n'a pas d'importance. Regarde, il y a un tas de débris coincés sous la coque. On les retire? Ça prendrait trop de temps. Et si on le poussait, simplement? Eh bien... Comment que ça va? On peut essayer. Prêt? Oui. Alors, pousse! Bah, c'est un week-end bizarre, mais moins prévu que... mais moins que prévu, donc ça va... Oh! Viens, faut qu'on trouve un chemin. Bon, vous êtes de l'opinion du mioche. Ouais, mais quand même, hein. C'est d'accord avec Hugo, incroyable. Ouais, c'est pour dire à quel point ils disent de la merde, hein. c'est pour dire, hein. C'est... Prenez en compte, disons que là, vraiment, c'est vrai que... Prendre Hugo juste comme un cobaye qui a juste à la fermer, j'avoue, je suis pas trop fan. Hugo dit que ça va tout arranger. Alors ce sera le cas. Comment? La question c'est où? Il faut qu'on la trouve. Non, la vraie question c'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas. Tu vas devoir choisir ton camp. C'est ma magistrat. Alors, tu remets pas en cause l'autorité? Comment ça? Les gamins aujourd'hui ils se plaignent pour rien. Oh. Oh, j'avais vu une compilation d'articles qui disaient tous la même chose, en gros, hein, c'est la nouvelle génération qui ne veut plus travailler. Sauf que chaque article, c'était tiré d'un journal ou d'un bouquin ou d'un truc comme ça. De plus en plus vieux à chaque fois. Du coup, en gros, chaque nouvelle génération, dès que la nouvelle génération ne veut plus rien. Ça, c'est magnifique. Attends, il y a bien des fleurs dans le coin, là. Pourquoi c'était un week-end bizarre, si tu veux en parler, Scrooge, bien sûr. Et juste avant que tu arrives, je disais que ça, je venais de commencer la saison 4 de Shameless. Du coup, c'est très très bien. Et c'est très très cool.
Mais j'avoue, j'ai du mal à m'attacher à des personnages. Hein. J'avoue que tous les personnages sont un peu détestables à plus ou moins grande échelle, on dirait. Bah ça, c'est compliqué. Ma grand-mère a de son vivant réussi à s'embrouiller avec son mari, sa sœur et son fils. Ouf. Du coup, j'ai emboîté le pas, je me suis pas intéressé à elle. Alors j'ai fait 350 km pour aider ma sœur à mettre le nez dans sa tétrachée de papier pour gérer l'héritage. Heureusement, je m'entends bien avec ma sœur. Oh, oh ouais, l'ambiance. Essayons par ici. Pas beaucoup de soi quand c'est trop calme. Enfin, faut passer par là. Parce que je sais qu'il y a une fleur quelque part, hein. Bravo, bravo. Oh, 350 km. Pas envie, hein. Donc la famille, hein, c'est... Des fois, je me dis, ah, c'est dommage, hein, j'aimerais bien avoir des frères et des sœurs. Puis des fois, je me dis, non, en fait, non. En fait, non, c'est bien, hein. Oh, c'est quoi ça ? La cochon ? C'est juste un cerf qui brame, je pense. Oh, Seigneur. J'avais oublié qu'ils existaient. La saison des amours doit déjà avoir commencé. C'est comme si rien n'avait changé pour eux. Le cours de la nature ne dévie jamais. Le chaos qu'on affronte doit en faire partie. Sauf qu'eux font la cour, alors que nous, on essaye juste de survivre. C'est vrai. Repartons. Après toi. Me souvenir le brame du cerf. Et dire que du côté de Rambouillet, je sais, ils font ça. Ils font des événements pour aller écouter le brame du cerf. J'avoue, bon, je comprends l'intérêt, parce que c'est vrai que le brame du cerf, c'est quand même quelque chose, mais c'est vraiment juste aller en forêt et entendre un cerf dire « je baiser ». J'avoue que ça me fait un peu rire quand même. J'avoue que pour l'étage, au moins c'est tranquille. Ouais, au moins c'est tranquille, hein. Vous en avez déjà eu, hein. C'était très simple, hein. C'était très très simple. Vous voyez, les montagnes russes à base de votre grand-mère a désigné un héritier en 2008, c'est pas vous, Into. En fait non, il est juste usufruitier de la maison, et vu qu'il décède, bah vous êtes propriétaire à 100%. Oh ouais là. Ça va être quelque chose, hein, de gérer ces affaires-là de comptable, enfin de notaire plutôt. Quand t'as des testaments qui font des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui le font mal et qui font chier les animaux. Bah, ça, oui, hein, ça toujours. Hein. C'est dans un centre équestre où il propose d'aller écouter le brame du cerf à cheval. J'aurais peut-être pas l'avoir fait. Mais voilà. Ouh. Ah, le jeu, il est beau, hein. C'est encore pire, vu d'en haut. Oui, non, mais c'est beau. Insoutenable. Il faut emmener Hugo loin d'ici. On arrive. Et les frais de succession, c'est pas trop lui. C'est vrai qu'il y a ça, hein. Qu'est-ce que c'est ? Oh non, hein ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Cours ! Ils sont déjà là ! C'est les rats ? Ouais, ouais. Ne t'inquiète pas. Ils vont bien tous les deux. Oui. Oui, mais il y a les rats. On sait quoi faire. On arrive. Alors, par où on commence ? Il y a des brasiers de l'autre côté. Bon, là, c'est vraiment pour le jeu, hein, puisque là, on pourrait juste sauter par ici, en fait. Hein. Mais bon. C'est le début, on verra. Normalement, pas trop, vu qu'on est héritier direct. Mon père était fils unique, mais il n'est plus dans vie. Voyons. On est héritier direct, on a les plus gros rabattements. Bah tant mieux, hein. Cette botte de foin devrait bien brûler, mais elle brûlera vite. J'avoue, moi, je sais même plus comment ça s'est passé, moi. Et puis.
plus, j'avoue, ça fait longtemps. Hein. La dernière fois que j'ai fait un enterrement, testament, tout ça. Hop là. On est parti. Mais courage, pour au moins pour le côté administratif, hein, j'espère que, on va dire sentimentalement, émotionnellement, ça va. Si elles peuvent déblayer le passage, et celle-ci a une manivelle, on devrait tenter le coup. Qu'est-ce que tu veux faire Attends, laisse-moi passer. Merci. Ça fonctionne. Elle ne reste pas en place. Il doit y avoir un contrepoids. Tout à fait. De la grue, toi, utilise. Voilà, merci. Eh ben vas-y. J'irai de l'autre. Lucas, c'est pour toi. D'accord. Lucas. Bam bam. Tu as vu ce trou ? C'est inescapable. Ils ont détruit une ville entière. Et ça recommencera si on continue d'ignorer les émotions d'Hugo. Je suis d'accord, hein, mais c'est vraiment que la situation est grave, hein, si je suis du côté de Hugo, là, c'est vraiment... C'est quand même chaud, hein. Oh, la paille ne suffira pas. Ah. Ah mais si. Attends. Hop là. Facile. On va y arriver. Il y a une autre grue. Je pense pouvoir t'aider à traverser. Parfait. Oui. Essaie de bouger la botte de paille vers moi. Je devrais pouvoir l'allumer. Ok. On a trouvé un papier collector. Ma grand-mère était tellement pingre que pour son divorce, elle trouvait que ça avançait pas assez vite. Elle n'avait pas le montant qu'elle voulait. Elle envoyait une lettre au président de la République. On a un courrier officiel qui l'envoie poliment chier. Oh. Oh, pas mal. Mais en vrai, qu'est-ce que le président il aurait fait? Il est pas notaire, le président? Oh, elle arrive. Tout ça juste pour atteindre Marseille. Mais tout pourrait s'arranger là-bas. C'est pas le cas. Et Hugo n'y croit plus. Oui. Je peux comprendre pourquoi il ressent ça. Bah, ils sont pas aptes à juger. Bah oui, c'est ça. Attends, je fais ça, mais il y a un contrepoint. Hein. Eh oui. Par contre, je crois justement à propos de la... Que quand on peut envoyer une lettre au président gratuitement, pas besoin d'affranchir. Et surtout, ils sont dans l'obligation de... Enfin, ils répondent toujours. C'est toujours pris en compte. Après, ça peut être juste un papier, on va dire... voilà. Ah, mais il pouvait la cramer. La main lève du cran, la même mémoire, en vrai, ouais. Allez, ouais. On peut continuer. Bon, ça c'est... On arrive, Hugo. Il est toujours effrayé. Il faut vite que je le rejoigne. Ta mère est avec lui. Elle est perdue, Lucas. Et il le sait. Bon, faisons en sorte que tu remontes vite à bord. On va de nouveau utiliser cette grue. Bien. Faut que j'aille là. J'aille où? Pas que j'aille là, il y a un trou. Oui, c'est quoi ça? Stupéfaction. Ah non, hein, fais pas ça. Hein. Occupe-toi de ça, Lucas. Bien. Bon, j'avais une petite idée du personnage, mais avoir tout un tas de papiers qui confirment ça adresse le tableau. Tu m'étonnes, hein. Je te l'ai dit, tu dois choisir ton camp. Dis-moi quand lâcher. Maintenant, j'y vais. Allez, plus vite. Cours. Non, Lucas, qu'est-ce que je fais? Attrape ça. Frappe le sol. Va jusqu'à l'escalier. C'est quoi ça? Vite, ça ne durera pas. Mais fallait donner plus vite, ça. Pas le donner plus tôt. Oh, qu'est-ce que c'était? De la pellite, un minéral. J'en ai trouvé en chemin. Eh bien, ça m'a sauvé la vie. Merci. Je m'attendais à des étincelles, pas à ça.
T'inquiète, hein. J'avoue que ouais, retrouver les papiers des gens, des fois, ça si on les couvre dans un nouveau jour, si on les découvre tout court. J'avoue que ça... Il y a un petit côté voyeur, hein, bien évidemment, mais bon. On va dire que c'est un côté... C'est pas un côté voyeur, on va dire que c'est un côté historique. Bien sûr, bien sûr. Mais en vrai, ouais. Comment je peux faire pour passer? Mais en vrai, c'est cool. Bah écoute, tant mieux, j'espère que ça s'est bien passé. Hein. Ah mais si, attends, je suis pas obligé de le cramer. Il a ce qu'il faut pour le cramer, cet idiot. Bon, elle a l'air de faire tout le tour. Tiens bon, Lucas. Rien de presse. Attends, non, je me suis trompé. Reprends le machin. Celle qui avait un côté voyeur, elle espionnait toutes les itérations de nos noms, prénoms, les articles en ligne. Ah ouais? Ma première participation à une exposition de Lego, par exemple. Oh ah oui! En effet, sacré personnage, hein, dirons-nous. Bon, j'ai dû faire un truc qu'il faut pas. Non, faut peut-être passer. On va suivre la peinture blanche. Ah, j'ai. Ok, j'ai. Non mais oui. Oh, pitié. On va passer là, en face, là. Voilà, juste ici, là, il y a un petit fagot de bois. Ok. Attends, on va mettre le truc ici, là. On va le bloquer et on va cramer. On est parti. Allez, cours. Bravo. Oui. Tiens. Attention les dents, hein. Bravo. Le jour où elle a appris le décès de mon père, elle a pas pris sa voiture pour venir. Elle a fait une demande de prise en charge du trajet à je ne sais quel organisme pour pas avoir le père. Oh. Tu peux y arriver, continue de courir. Oui. Ah, c'est... Allez, yeah. Cours, réfléchis pas. Ne pas réfléchir. Ah. Ouais, tu cours plutôt vite. C'est... Oui. Oh, c'est pingre, en effet. C'est la clé. Du coup, l'origine de ton pseudo, vient-il de ta grand-mère, du coup? Puisque Scrooge McDuck, hein, Scrooge McBrick, Picsou... Il y a quelque chose, hein. On sent un lien. Et les gens, la passion, c'est la photo, la peinture, Noël, c'est juste du fric. Non, bah ouais, non, mais... Ah, ça fait un rapport quand même, hein. Mais là, je l'aurais pas fait ça. Bah, ouais, c'est pas moi qui ai commencé, hein. Eh ben, c'est vrai que les histoires de famille, des fois on est comme ça, on a quand même envie de manger du pop-corn, hein. Parce qu'il y a des trucs aussi, bon je la raconterai pas, hein, mais il y a des histoires, ouf. Surtout, je le trouve, surtout dans l'ancienne génération, avec cette tradition, j'ai l'impression des secrets de famille.
Attends, lâche. Non, lâche. C'est quoi? B. Elle avait un train de vie, comment elle est morte avec un énorme tas de fric qui revient à des personnes qu'elle n'aimait pas? Alors ça, j'avoue, ça serait un peu là. Non, c'est quoi? Non, merde, c'est pas ça que je veux. C'est pas quelque chose, hein. Trouver un flingue? Quoi? Ah ouais? Eh, mais ça continue, hein, c'est... Trouver un flingue? Ok. Va falloir que je prenne rendez-vous avec la gendarmerie du coin pour leur donner. On a vidé des frigos de soupe de poisson, pignons de poulet surgelés, alors qu'on avait végé avec ma soeur. Oh. Ah ça, à la limite, ça, il y a la banque alimentaire qui peut les récupérer. Ah, quoique, vu que c'est congelé, je sais pas, je pense pas. Vu que c'est congelé et que... Ouais, non, non. Ah non, malheureusement, ça doit partir à la poubelle. Ça va partir à la poubelle. Congelé, c'est pratique. Ouais, congelé, c'est pratique, mais c'est... tu peux pas la donner à une association. Parce que s'il y a quelqu'un qui devient malade, l'association peut être portée, peut recevoir une plainte. Et du coup, ils préfèrent pas prendre le risque. C'est un peu dommage. Bon, je vais par là, mais je sais pas. Hein. Oui, c'est par là. Si. La mercerie, ça va pas chiffrer bien haut niveau revenu. Mais quand tu grattes toute ta vie, tu dépenses pas tant que ça, ouais. Ouais. Oh! Attends. Et l'axe de bactéries, ben ouais, c'est ça. Hein. Et de rupture de chaîne du froid, bon, ça encore, ça va, on maîtrise. Parce que j'ai fait tomber. Hein. Pas congelé. Bah, vu que c'est de l'artisanal, on va dire, il n'y a pas eu de contrôle derrière. C'est aussi pour ça. Bah oui. Peut-être que le fait que ça vienne à partir... Bah déjà, ouais, il y a ça, oui. Il peut pas savoir si le produit a été décongelé, recongelé, bref, il y a toujours un risque. Et encore qu'il y a un risque, c'est vrai que dans l'absolu, on peut se dire, on s'en fout, c'est de la nourriture, c'est fait pour... Vaut mieux, on va dire... Ouais, non. C'est chiant de jeter de la nourriture, c'est vrai. Mais disons quoi, les risques de procès derrière, ça donne pas... Ça... Qui sont compréhensibles, hein. Déjà, t'as du mal à te nourrir, mais en plus de ça, tu chopes la chiasse du siècle. Bon. J'avoue, tu vas pas être très 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 content, quoi. Alors, comment c'est ici, vraiment ? Non! Oui! Mais non! Oui! Oui! En effet, vas-y, cours! Oui, tiens. Oui! Beau lancer! Merci. Belle réception! Bon, à moi! Seigneur! Allez, courage! Tu peux y arriver! Continue de courir! Oui! Juste des rats. Ouais, c'est vrai que mais ouais, même dans... on va dire dans les... Alors, j'attends quoi? Allez. Aïe. Allez. Dans les comment dire. Dans les bonnes attentions, c'est toujours un peu compliqué, hein, ce genre de truc. Hein. Ouais. Même sur les produits congelés, il y a un temps limite pour consommer, non? Merci. Normalement, oui. Imagine, c'est des trucs qui sont là depuis 10 ans. C'est la clé. Normalement, il y a... Enfin... Légalement et un temps limite, je crois. Enfin, quoi que je dis ça, même... Après, il y a une différence entre congelé et surgelé. Et je crois qu'il y en a un des deux, ça permet de conserver plus longtemps, mais il y en a un des deux, ça... Je me souviens de ça, une fois ma mère avait un rôti de porc au frigo, enfin au congélateur, qui était là depuis 2 ans. On l'a mangé, on a trouvé la viande un peu bizarre. On a eu une chiasse.
Je m'en souviens encore. On a une chiasse. Il n'y a jamais de risque sanitaire pour un produit congelé, c'est les qualités organoleptiques qui peuvent être altérées. C'est quoi les qualités organoleptiques? Le goût? En dessous de moins 18, il n'y a jamais de problème. Ça va jusqu'à combien? Un congélateur, c'est moins 23, non? Bah, je sais pas, nous on avait un problème, peut-être que la viande a été mal décongelée, qu'elle a été mal préparée. Ce truc est verrouillé. D'accord, je m'en occupe. Bon, on a une autre botte de paille. Je l'enflamme et on court. Ah, mais c'est parce que j'ai pas fait ça. C'est ce qui touche l'essence. Ok, ok. Ah, attends, y'a quoi ici? Mais ouais, non, pourtant, moi, quand j'avais. Ouais, quand j'avais. Allez, vas-y! La façon de dégeler est très importante. Ah, c'est peut-être ça aussi. Hein. J'adore ton cri de guerre, en fait. Merci. Ça m'aide à prendre de l'élan. Je crois. Respire. Ouais, poubelle, bah ouais, hein. J'avais pas les assiettes, tu sens, oui, c'est ça. Hein. Je sais. Attends! Tu peux redescendre ou pas? Oui! Alors oui! Ok, non, c'est bon, j'ai pas mouru. Est-ce que déjà la bonne façon de dégeler, c'est de dégeler au frigo, je crois, non? Après, moi, j'avoue, moi, j'ai ma méthode de décongélation express. Et je fais ça dans de l'eau chaude. Faites que ce soit utile. Genre, je mets ça dans de l'eau chaude. L'eau chaude, c'est le pire. Ouais, mais je fais ça express. Tu vois, c'est vraiment pour les dans les 5 minutes qui arrivent, quoi. C'est pas, je mets l'eau chaude, puis ensuite, je laisse reposer 2 heures. Pour décongeler rapidement. Frigo, c'est mieux, au cas. Normalement, c'est eau froide avec toujours un filet d'eau. Moi, c'est eau chaude. Il y a quand même un risque. Ouais, je pense. Mais en général, c'est vous savez, les petits... Moi, je prends jamais de sauce tomate classique, je prends toujours le concentré de tomate. Et du coup, je prends la moitié dans les petits pots de concentré de tomate, là, vous voyez, les tout petits pots comme ça. Je prends la moitié pour mon plat, et ensuite, le reste, je le mets au congèle. Et ensuite, bah, quand j'en ai encore besoin, bah, je sors le congèle, je mets le truc entier dans un cul de poule rempli d'eau chaude. Et hop, ça décongèle les bords, et le truc encore un peu congelé, hop, je le fous dans les pâtes. Et je fais cuire encore 2-3 minutes. Après Mars Express, Chasse Express. Non, je l'ai jamais eu. Jamais eu. Enfin, pas à cause de ça, en tout cas. Hein. Après, c'est vrai que je pense que justement le rôti de porc mal décongelé de ma mère, ça a peut-être donné une flore intestinale ultra résistante. Je pense que je peux manger tout. Bien. Espérons que ça se passe mieux à Marseille. Oui. Une fois que l'ordre aura mis la main sur lui, ça sera trop tard. Amicia, ils ne peuvent pas tous être comme Baudin. Je ne suis pas prête à prendre ce risque. Ce tomate, c'est pas super risqué. Oui, c'est surtout la viande. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, la viande décongelée, je la fais toujours à cœur. Hein. Évidemment, hein. De toute façon, même la viande pas congelée, j'aime bien quand c'est à point. J'ai eu peur. Allons, ceux qui mangent la viande bleue, désolé, hein. je vous comprends pas. Mais c'est bon de vous voir ça, mais on doit y aller. Il y a toujours une foutue chaîne qui nous bloque. On va s'en occuper. Ceux qui mangent la viande bleue, je vous comprends pas vraiment. Hein. Je veux dire, prenez un couteau, prenez. Et manger directement la vache dans le champ, hein, c'est plus simple. Hein. Cette manivelle est reliée à la chaîne. Voyons ce qu'elle fait. Le saumon fumé congelé, il faut toujours faire un trou dans le sachet et décongeler au frigo. Super dangereux sous vide. Genre là, les petites tranches là, de saumon. Super dangereux sous vide. Ah ouais, je savais pas du tout. Mais après, j'avoue que bon. Le saumon, c'est pas le truc que j'achète toujours. Et qu'en général, quand j'achète du saumon. T'inquiète qu'il y en a pas. Y a rien qui va aller au congélateur. Ça va être mangé vite, vite, vite.
Le riz cuit, c'est direct au frigo, c'est dangereux aussi. Ah bah oui, oui. Oui, en plus, oui, c'est bourré de sucre. Donc oui, ça favorise... les microbes. Après, je laisse juste refroidir un chouï pour pas que ça fasse un choc thermique et que ça pète ma vitre. Il est en nous. La vitre du frigo, là. Mais c'est tout. Hein. Les bactéries spécifiques sur le riz. Ah ouais? Même en ayant cuit le riz? Je savais pas. Ah oui, point. C'est contre un bac. On n'a pas besoin d'un bac. On a besoin de casser cette chaîne. Il n'y a rien de notre côté. Mais si, t'inquiète, on va péter la chaîne. Ça doit être rouillé. Peut-être de l'autre côté. Ce bac pourrait m'y emmener. Ça n'est pas possible, tout ce ponton. Quelque chose doit entraver la chaîne. Comment Combien ? Combien ? On va trouver. Hop là. Et merci Kalilou pour le raid, merci beaucoup. Comment ça va? Bien le bonjour, Raiders. Hop là. Comment ça va? As-tu bien programmé? Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, tu étais en train d'apprendre la programmation. Bien le bonjour, Cortacouette. Bien le bonjour, Smoltom. Ah, c'est dur. Ah ouais. J'ai vu un peu. Hein. Mais en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment... T'as fait de la programmation vraiment, on va dire, à l'ancienne, quoi, avec du texte. Et pas avec des... Comme game maker avec du visuel avec des petites icônes et tout ça. Parce que bien déjà bonjour les Raiders, je me présente, je m'appelle Scous, je fais du dessin et du vidéo tous les jours sauf le lundi et le samedi à partir de 14h 16h pardon. Et aujourd'hui nous sommes sur Plague Tale 2, Plague Tale Innocence. Normalement vous allez résumer dans le chat. Mais c'est très très bien, imaginez un jeu d'escorte, un jeu d'énigmes, un jeu d'infiltration et tout ça. Et c'est très très cool, c'est très cool. En 1349, Requiem le 2. Oui, c'est Requiem, pardon, le 2, bien sûr. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Bon, Hugo est insupportable, c'est le petit frère qui est malade. Lucia, ce chariot est sur le chemin. Oui. Je sais, tais-toi. Il y a ce premier pas sur GDevelop, et en vrai, GDevelop, c'est du simplifié quand même. Bah tant mieux, hein. Mais trop trop bien, hein. Mais c'est, ouais, non. J'ai cru que c'était un Bernard Lhermitte. Et ça vient de quelle initiative? C'est juste un goal comme ça ou c'était une envie d'apprendre le code? Je vais me poser, je suis fatigué. Bon repos à toi. Ça faut qui m'a proposé. Ok. Oh, trop bien. Trop trop bien. Moi, c'est que j'avais fait un peu de... On va dire un peu. J'avais testé, comment ça s'appelait, Game Maker. Un logiciel qui permet de coder, dirons-nous, du jeu vidéo avec du drag and drop. Attends, non. Hop là. Et c'était plutôt pas mal. Hein. Il fait des émissions, il monte le code au noob. Oh. Je vous fais des bisous Kalilou, merci beaucoup. Peut-être de l'autre côté, ce bac pourrait m'y emmener. C'est plutôt le début des démarches. Oh. Bah courage, hein. courage. Mais quel bac? Moi je veux bien passer, mais comment on fait pour rentrer? Il y avait RPG Maker à une époque, on entendait pas mal parler. Oui. Mais je crois que ça... Je crois qu'il y a même une version de RPG Maker qui est gratuite actuellement. Enfin actuellement, depuis un petit moment, je sais que j'ai une version de RPG Maker. Bonjour monsieur. Qui est quelque part. Ouais. Attends, c'est bloqué. Bloqué.
Moi qui me dis que j'ai faim, moi qui vois l'heure de manger. Ah, pinaise. Ah, c'est bien quand, quand on a la faim qui est synchronisée à l'heure de manger. Hein. Elle a cassé ici. Bon petit poulet Vasquez. Oh, toujours pas testé, hein. Non. Ouais, comme hier. Oui, voilà, c'était ça ce que je me disais. Enfin, non, oui. Oui, c'était toi qui en avais parlé du poulet Vasquez. Mais c'était pas hier. Hier, il y avait. Hier. Enfin, je crois pas. Attends, je comprends pas. Vas-y, passe. Y'a quelque chose qui bloque, que je peux débloquer? Bonjour Isabelle! Bien bonjour. Comment ça va? Moi j'essaie de passer de l'autre côté de la rive, parce que je crois qu'il faut que je passe de l'autre côté de la rive. Ou pas du tout d'ailleurs, attends. Du coup, si tu connais Amour, Gloire et VG sur Insta? Oui, oui, oui. Fais des petites BD, je crois que c'est toi qui m'en avais parlé. Je crois que c'est toi qui m'en avais parlé. Oh, c'est en pente, ça restera pas en place. Attends, machin. Fais un gratin de chou-fleur. Oh oui, c'est pas mal ça. J'en ai mangé non-stop pendant 3 jours, je vous raconte pas l'odeur des proutes. Oh, ah ouais, ça va être quelque chose. Hein. Après, j'avoue que... c'est moi qui t'avais fourni la réflexion, je crois. Hein. J'avoue que le gratin de chou-fleur, bourré de béchamel, là. Voilà, ça donne autant envie que ça. Est-ce que ça va? Je vais bien. Il y a des morts partout. Sors de là. Non. Ça va aller. C'est dégueulasse. Pardonnez-moi. Oh. Parce que Sonic-Tober est juste incroyable, il y a des pics sur aux politiques et tout. J'avoue, j'ai pas trop regardé, j'ai pas plus lu que ça. Oh, je suis désolée, j'ai pas le choix. Pardonnez-moi. Il faut que je le fasse. C'est fait. Essaye encore. Tu as réussi. Je t'envoie le bac. Oui. Ah bon, on est parti, hein. Non, il y avait Moise. Oui, tiens. Je viens d'éduquer, c'est adorable. Ah. Tac, tac, tac. Je la connais parce que j'étais en voyage organisé avec une de ses meilleures amies. Ils confondent les femmes. Oui. Excusez-moi, voilà. Je sais même pas ce que je me souviens même plus ce que j'ai mangé hier. Pas non plus retenir les gens. Hein. Ouais, bon. Non, c'est pas où. C'est où qu'on sort? C'est dégueulasse ici, hein, faut sortir. Hein. Bah, c'est pas par ici? Ah. Je continue? Quel genre de travail? Oui, j'ai lu 2-3 trucs. C'est plutôt sympa. Et aussi, comment elle s'appelle? Renard Raisin, je crois, un truc comme ça. Qui fait des recettes de moigie. Vegan. Je crois que c'est renard raisin, je sais plus quoi, c'est quelque chose comme ça. Hop là. Ça c'est ma recommandation. Ah bah voilà. J'avais tellement besoin d'air. Prends ton temps. J'attends ton signal. J'avais fourni pour sa recette de 7 ans au pois chiche. Voilà, voilà, vous deux, vous me l'avez fourni. Genre, voilà, forcément, je vous confonds. Forcément, je confonds. Désolée, Amicia. C'est le renard et le raisin. J'ai peur. Mais non. C'est ça, oui. Tu n'y es pour rien. Tout ira bien à Marseille, Hugo. Je ne veux pas aller voir l'ordre. Magister Vaudin n'était pas un homme gentil, je le sais.
Mais cette fois, ce sera différent. Mère, son île, pas maintenant, Amicia. Si. Très bien. J'ai une fronde, hein. Parce que t'es ma mère que, hein. J'iserai les genoux. Pas gentil. Je connais aussi Renard Raisin et j'ai essayé une recette, c'était dégueu. Ah ouais? C'était quoi? Après, des fois, les recettes, hein, on va pas se mentir. Hein. Mentir, hein, c'est dégueu, hein. Des fois, hein. Ah, je parle, voyons. Mais pourtant, c'est simple, parce que y a ça, l'accent qui est... C'est vrai que ça s'entend beaucoup, surtout à l'écrit. Et surtout que je crois que Yas n'a pas du tout l'accent, hein. Attends, faut faire péter ça. Comment qu'on pète ça? Pas ouvrir? Peut pas ouvrir. Bon alors? Vous pétez la chaîne. Avec des collègues, on adorait regarder une chaîne qui faisait que des recettes, toujours plus. Oh, attends, ça me rappelle un truc, ça. C'est, comment ça s'appelait? C'était vers 2014-2015. Je me souviens plus. Mais c'était genre une chaîne qui faisait genre... ça. Qui faisait genre des repas, enfin des plats hyper caloriques. Et genre, ils faisaient un compteur de calories à chaque fois à la fin. Genre, ils faisaient des lasagnes, mais des lasagnes, c'est... C'est la taille d'un enfant, quoi, le machin. Je crois que c'était Epic Meal Time, un truc comme ça. Oui, je sais qu'il faut que j'aille par là, mais attends, comment je peux passer? C'était par là? Je peux descendre? Je peux pas descendre? Je peux descendre? Attends, je suis aveugle ou... Mais... Le truc est qu'il faut qu'il pète là, faut que je pète là. Ah, vu! Ok. Ah, mais oui. Alors, oui, vu, mais comment? Ah, oui, comme ça, tout simplement. Ça, tu sais, le genre marshmallow plongé en chocolat. Ok. Vous les faites frire, vous les mettez dans une pâte à tarte, vous mettez de la confiture au soubrette de Smarties, vous recouvrez la tarte, vous faites frire le tout, vous rajoutez du caramel et du sucre en poudre. Que les trucs genre. Ouais, je vois. Ouais, mais c'est à peu près ce que faisait Epic Meal Time, oui. Des recettes bien américaines, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Réponds! Ça va! J'ai juste failli me faire écraser. Pas grave. La chaîne est partie, mais les pontons aussi. Je vais m'arriver aux écluses du pont. Lucas, tu peux y aller? J'y arriverai. D'accord, je me rapproche. Attention! Sois prudente. Oui. Oui. Je me moque bien d'être en sécurité. Ce qui m'importe, c'est Hugo, mère. Je sais que vous ne me croyez pas. Mais lui, écoutez-le au moins. Ouais, je suis d'accord. Calme-toi. Hein. Concentre-toi. Touk. Ouais, j'avoue même si des fois, il y a quand même des recettes horribles de ce genre-là, t'as quand même envie de les goûter, tu vois. Juste pour la blague. Juste pour la blague. Non! Mais non, ça cassait mon couteau! Moi je pensais que c'était gratuit! Mais j'ai pas d'argent! Ah mais attends, il y a des ressources! Ah oui, c'est bien ça! Oh! Alors peut-être! Oh! Oui, très bien! Alors! Qu'est-ce que je voulais? Améliore une munition alchimique qui lui permet de tuer ses ennemis en lançant une jarre associée à un ignifère.
C'est soit ça, soit... Je peux porter plus de ressources alchimiques. En vrai, je commence déjà à être un peu bloqué en termes de ressources alchimiques, mais pas tant que ça, en vrai. Du coup, voilà. On va cramer. Non, l'autre côté. Non, non plus. Attends, il y a un coffre. J'ai vu qu'il y a un coffre de l'autre côté. Pourquoi j'ai pas accès au coffre? Il y a un coffre, il est là. Pas accès. Par contre, c'est vrai, des fois, je vois des recettes américaines. Je dis non. Genre un croissant fourré au Nutella. Dans l'idée, pourquoi pas? Mais quand ils disent fourré au Nutella, c'est y a pas de place pour de l'air, quoi. C'est... Le croissant, il est épais comme ça, là. Enfin, la croûte du croissant, il est épais comme ça. Le croissant, il fait ça, et c'est rempli de ça, de Nutella. Non, mais autant manger le pot, hein. Autant manger le pot directement, c'est plus simple. Hop là. Ah. Très joli. Mais non, c'est plus marché. Bon sang, comment je traverse ça? Encore un sacré pétrin. Calme-toi. Mais non. Tu es bouleversé. Et tu sais pourquoi. Lille. Et oui. Tu verras ça plus tard. Reste concentré. Lille. Jamais allé à Lille. Apparemment, c'est très très bien, par contre, comme ville. Hein. Mais le climat. Le climat lillois. Ça me hype moyen. J'avoue. Bien, une étape franchie. Oui, tout à fait. Moyen de grimper là, faire des trucs? Non. Ouais, je vais manger. Bah, bon appétit à toi. Bon appétit, Yars. Peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas. Mère, Lucas n'est pas avec vous? Non. On l'a perdu de vue. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il est parti foutre, Lucas, encore? Non, mais j'ai déjà Hugo à gérer, hein, c'est déjà beaucoup de taf. Alors, si même machin, il se barre. Oh oui, si, je pense avoir compris. Attends, je peux passer par là? Non. Je peux passer par là. Oh, toujours trop haut. Il me faudrait encore un chariot. Eh oui. Mais je pense savoir comment... Bah non, on peut pas sauter par-dessus la corde. Quelle idée. Moi, je veux bien un autre chariot, mais il n'y a pas d'autre chariot. Bête. Trop bête. C'est moi. Je devrais pouvoir revenir maintenant. Mais bonjour, Schoufst. Mais bonsoir. Et bien nous sourire. Comment que ça va, hein? Viens ici. J'ai besoin de toi. Comment vas-tu? On va-tu en ce petit début de semaine? C'est vrai, mardi, déjà bientôt le week-end. Salut, vrai midi tout le monde, c'est mardi, déjà bientôt le week-end. Ça devrait marcher. Et biga, parfait. En train de continuer Plague Tale au 2. Requiem. Et c'est très très bien. Et oui, le temps passe vite, hein. Et là, on est en train de chercher à trahir notre mère, parce que notre mère ne veut pas écouter Hugo.
Hugo qui est traité comme un cobaye. Et à qui on ne fait pas confiance sous prétexte que c'est un enfant. Hop là. Comment ça, à l'aide ? Oh non, les hommes d'Arnaud ! Ne me touchez pas ! Tu vises et tu tires, c'est ça ? On vise et on tire. D'accord ! Ok. Lâchez-moi ! Oh ! Oh, headshot ! Non, attends. T'en bouges pas ! Je tremble comme une fois. Oh, vas-y ! Un petit rail shooter, là. Ok. Crée une source de feu permanente. Ah, c'est un morceau de bois, ok. Bah genre là, attends. Ah, ça marche moyen. Quand tu veux que je mette où ? Là ? Merci. Ça ira. Ah si, t'as rien. Bah vas-y. Hein. Attends, bouge pas, hein, bouge pas. Attends, je peux te tirer dessus ? Non. Non, je testais, fallait tester. Bah alors? Vas-y, machin. Je commence à voir un chemin. Ok. Bah voilà. Qu'est-ce qui va pas? Attends, ici peut-être? Ok. On s'en a fait qu'un tour. Merci d'avoir visé juste. C'était les mêmes hommes que dans l'arène, Amicia. Que s'est-il passé dans l'arène? Qui est cet Arnaud? Ça, c'est pas un gentil. Un gros problème pour vous. Faut partir. Oh, cheval. Voilà donc la célèbre fille à la fronde. C'est nous. Je vois que tu as de la ressource quand il s'agit de tuer mes hommes. Partons, vite. Oh, oh, le rail shooter. Vous êtes protégé à la tourelle tant que vous ne visez pas. Bon, oh, t'inquiète. Oh, vas-y, vas-y. Oh. Bah non, pourquoi faire? Hop là, vas-y, vas-y. On enchaîne, hein. Ok. Oula, attends, par là. Ça va, mon ami? Oula. Le retour passé, c'est vrai que ça y a un petit côté par casser avec ça. Comment ça? Aborde pas le bateau, hein. C'est toi, ça? C'est un humain? J'ai pas l'impression que c'est un humain. Vous êtes où? Ou alors? Y'a plus personne? Allô? Allô le jeu? Ah, vu! Fais attention à la tête, hop. Ok, c'est parti. Oh, le parc est sec. Oh, les baleines là, le grand splash. Attends. Voilà, ça c'est bien, ça c'est efficace. Bon, on y va au feu en fait, hein. On paye pas plus cher, c'est plus joli.
Oula. Ah oui, c'est vrai qu'on est dans une folie meurtrière, nous. Ça, ça balance des punchlines, non? Vas-y, pré-shot. T'inquiète, t'inquiète. C'est vrai qu'on a peut-être pété un câble, hein. Hop, hop, on vient lui donner un collier. Il y a une femme qui doit rester calme, ça alors. Ah, ça c'est toujours le bon move. Hein. En vrai que ce soit une femme ou un homme, c'est vrai que c'est toujours le bon move de dire calme-toi à quelqu'un qui est énervé. Oula. On va y aller à l'arbalète comme ça. Je rappelle qu'au début, Amicia ne voulait pas utiliser d'épée, parce qu'elle voulait pas tuer des gens. Ça a un peu changé. Ça a un peu... Qu'est-ce que je dois faire ? Faut que j'aille. Ah. Vous croyez avoir tous les droits, hein? Oula. Attends. Non, pardon, j'ai mal, voilà. Missia est morte. Ah, comme ça au moins.